Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tout nouvel épisode de mon let's play sur Call of Duty Vanguard. Il était temps, ça fait un petit moment qu'il y a eu l'épisode de, que je me trompe pas, 3. Il faut que je me relance et c'est reparti. Allez, cette fois-ci, nous allons attaquer la bataille de Midway. Vous allez voir, ça va se passer dans les airs. Allez. Trêve de bavardage, place à l'action, c'est parti. Continuez, oui, et on continue à jouer en seconde classe. Wade avait réussi à se sortir de situations bien plus difficiles. Quand il parlait de Midway, il ne lésinait pas sur les hyperboles. Chaque fois qu'il racontait cette histoire, il changeait quelques détails. Il ajoutait des zéros ou un porte-avions à son tableau de chasse. Mais j'ai lu les rapports sur cette opération. Les exagérations de Wade n'étaient pas loin de la vérité. Pour rappel, vos objectifs principaux sont deux porte-avions japonais. Les escadrilles IVS et VB en prendront chacun un. L'escadrille 6 sera là en soutien. Si la météo reste clémente, on en aura fini en moins de deux. Et alors, nous aurons le contrôle du Pacifique. Maintenant, à vous de jouer. Écoulez-moi ces porte-avions. Comme si c'était pas assez compliqué. Voilà que la guerre du Pacifique en dépend. T'inquiète, Hernandez. Je suis né pour ça. Eh ben, pas moi. Allez, Jackson. C'est parti, on va aller suivre Matteo. Ils ont fini de réparer notre appareil ce matin. Il nous attend sur le pont d'envol. Il a un nom. Il a baptisé l'avion. Notre avion. Mais tu m'as rien dit. T'avais qu'à demander. Ah, on va aller prendre notre avion pour aller attaquer les Japonais. Regardez, oh, c'est chouette ici en tout cas. Était planté sur la position de la flotte. Ils ont pas intérêt. Si la mission est un succès, on entrera dans l'histoire. Ouais, alors, personnellement, je préférais quand même rester en vie. Donc, si tu pouvais y aller mollo sur les cascades... Les cascades? Tu me fais de la peine. Ce type. Et tu te demandes pourquoi t'as pas encore été promu. Et pourquoi ça, gros malin? Parce que c'est pas le cirque Wade Jackson, ici. On est en guerre. On veut juste gagner et rentrer chez nous. Contente-toi de descendre les zéros à mes trousses. Moi, je nous sors de là. Hé hey, retenez les porte-avions. On s'y croirait, hein. Bon, j'ai jamais été sur un porte-avions, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Allez, hop, aide-moi à grimper. Je te tiens, Jackson. Bon, eh ben, on va grimper dans notre vieux coucou. Fais-nous monter. Si on réussit, tu crois qu'on aura droit à combien de médailles, Jackson? Si on réussit, ils fileront nos noms à des médailles, Miller. Bon, essaie de te rappeler qu'on forme une équipe. Et reste en formation cette fois, sinon Davy sera ta peau. Ah, on se traîne en formation. Tu vois ce que je dois supporter? Regarde ça. Quelle belle journée pour voler. On va espérer que ça dure. C'est l'heure! Faut se mettre au boulot! Notre pari attend! Je parie 10 balles que j'abats plus de 0 que toi. Non, pitié, n'encourage pas! Ah, voilà l'ambiance que j'adore dans les Call of Duty. Sacrée ambiance. Vérification radio pour Sugar 17. Reçu 5 sur 5. La radio fonctionne bien. Eh, hey, c'est l'heure de la visite pré-vol. La vérité des couvertures. Allez, hop. Ok, ça c'est pour monter et descendre. C'est bon, ouvert ok. Non. Ok Jackson, regarde les ailerons. Voilà, à droite, à gauche. Aile droite, ok. Parfait, maintenant l'aileron gauche. Aile gauche, ok. Bien, fais tourner le moteur, pour être sûr qu'il va pas nous lâcher. Allez hop, c'est parti.
Alors gauche c'est pour la vitesse et droite c'est pour la direction. Ah hop, le frein. Je garde 17 ici Tower, t'as l'autorisation du volet. Bon, maintenant faisons le volet. T'es prêt Hernandez? Tant qu'on puisse l'aide quand on dépend de toi. Allez, c'est parti, pleine puissance. Et c'est parti! Ne fais pas le malin. C'est pas drôle. C'est pas censé être drôle, du con. Et sinon, tu peux me dire comment tu l'as appelé? De quoi tu parles? Ah, de cet avion. Tu es encore là-dessus? Tu veux qu'on parle sinon? Ah eh bien, reste mystérieux. Oh, on est dans les nuages. Waouh. Tu gardes ça tous les appareils, Victor. Qui n'est pas en formation? Il y a quelque chose qui clash. Oh putain. On est attaqué. Putain, merde. Ces putains de zéro sortent de nulle part. Ils ciblent nos bombardiers torpilleurs. Les chasseurs n'ont pas encore décollé. F-17, chargez-vous ces appareils ennemis. Laissez-moi faire. Tu couronnes nos arrières. Bon, mais au moins. Où est-ce qu'ils sont les autres? Laisse pas approcher des bombardiers. Aïe. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Mayday. Ouais, bah Mayday aussi, moi. Où est-ce qu'ils sont ces japonais? Ça sent le rocher pour moi. Je suis mis trop de tir. On va la voir. Je suis caramé. Waouh! Il est là! Boum! Au revoir, le petit! Au prochain! Bon, ils l'ont eu. Commencer le bombardement piqué. Alors on va se faire canarder comme pas possible. Aïe aïe aïe, laissez-moi tranquille. On va recharger hein. Ah là 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 là. C'est parti mon kiki. Accroche-toi bien Hernandez. Waouh, ça y est. On va essayer d'avoir le bon porte-avions. Altitude. Ah, aïe, 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 je subis trop de tirs. Bah ouais, bah je fais que ça là.
décoller d'autres zéros. Merde, ils sont trop nombreux. T'es v'là, toi. Commence à y avoir du monde ici. Il lâche pas, putain. On va essayer d'éviter la flotte, hein. Pas évident à piloter, hein. C'est de la folie. Ils viennent d'où, putain. Faut d'abord éliminer ces zéros, et vite. Revenez à la mission. Boum. Au revoir. Au suivant. Ils vont appeler d'autres zéros, ils arrivent. Laissez-nous descendre. Ah, je les ai loupés. J'ai rien fait. On se fait canarder, faut qu'on remonte. L'escadrille BT ne répond plus. Subit trop de merde. Ah! C'est la guerre, mon capitaine. J'ai énormément de mal à piloter ce foutu avion. Ah bah j'en ai plein, moi. Bon. J'arrive pas à les avoir. C'est trop dur. Allez. Ah, j'arrive pas à les avoir. J'ai rien fait. Faut que je prenne de l'altitude. Merde, si je comprends bien, on est foutu, pas vrai? C'est pas encore notre heure. S-17, à tous les pilotes qui ont encore des bombes. Regroupez-vous et préparez-vous pour le dernier plongeon. Attends, quoi? Montez aussi haut que possible pour le deuxième bon, plongeon. Bon, un deuxième plongeon, les gars. Ah, ils sont derrière nous! Putain, les gars, ils continuent de nous tirer dessus. Maniez-vous, on sera bientôt. Ah là là, là, mais quel suspense! Par contre, c'est très dur à piloter ces trucs-là. Hein. Ouh! C'est bon, les appels? Ah, c'est beau! Avec l'orage. C'est beau! Attention, attention! Oh, merde! S-17, ils ont bien allumé. Hein? Impeccable! 0-3 devant! Attention! Abattez-les! Ah là 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 là! Zéro, on approche sur nous! Mais je peux. Continuez de gagner en altitude jusqu'à ce qu'on se
Faut que j'arrive à grimper. Boum, j'en ai eu un. Deux. Par contre, quand ils viennent sur moi, j'arrive mieux à les avoir. Non. On sera bientôt prêt à plonger. La flotte est là. Préparez-vous au bombardement. Faut qu'on détruise le deuxième porte-avions. Qui a des bombes? S-18 affirmatif. Allez, hop là. C'est reparti mon kiki comme en 40. Juste ce qu'il faut. À tous les appareils, empêchez-les de tirer sur S-17. Altitude. Activez le port fermé. Alors approche-toi bien. J'ai touché. Je décroche. Jackson, à vous jouer. Encore quelques centaines. Encore un peu. C'est parti! Et boum! Wade préférait être vu comme un surdoué plutôt que comme un héros. C'était là son paradoxe. Il était l'un des meilleurs pilotes de cette guerre, mais à son grand âme, il lui fallait une équipe. Ne me touchez pas! Salut les gars. Vous précipitez pas tous à la fois. Il va bien. En voilà de belles et touchantes retrouvailles. Vous m'avez menti. On croyait qu'il était mort. Alors allez vous faire foutre. Vraiment. Non ! Ne vous avisez plus de me mentir. Non ! Qu'est-ce que vous faites ? Ne me touchez pas ! Ne me touchez pas, je vous dis ! Freisinger, c'est une honte ! C'est une trahison de premier ordre ! Freisinger ! Vous allez en entendre parler ! Motif, sale pote ! Freisinger ! Que se passe-t-il encore ? Hitler est mort. Quoi ? Comment ? Un coup des Alliés ? Les rapports indiquent qu'il s'est suicidé. Mais... sans la Führer... on est fichu. Vraiment. De nouvelles informations. Comme vous le soupçonniez, l'Américain était le sixième homme. Mais je crois les avoir enfin brisés. Ça me fait de la peine de voir notre belle patrie souillée. Sale russe qui plus est. Il n'y a plus rien pour nous ici. Pour que le Reich puisse perdurer, il faudra que l'accès à Tempelhof soit sécurisé. Je vous faisais confiance, Richter. Mais vous êtes devenu non essentiel. Quoi ? Non, 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 monsieur ! J'obtiendrai ce qu'il vous faut. Je vous le promets. Vous manquez de temps. Je comprends. Mein Führer.
le tuer. Richter est à nos trousses. On n'a plus le temps. J'ai essayé de nous dégoter en avion, mais ça a foiré. Et quand je suis arrivé ici, vous étiez déjà enfermé. Alors j'ai emprunté une bombe rouge et je me suis rendu. On a environ... environ une heure avant que ce mur explose et qu'on foute le camp d'ici. Si on survit jusque-là? Il n'est pas fiable. C'est qu'un putain de pilote. Pas n'importe quel pilote. Je suis un as. Je suis d'accord avec elle. Qu'est-ce que t'y connais en explosif? Ah ouais? Toi aussi, je t'emmerde. Je vous assure qu'on peut lui faire confiance. Eh ben voilà. Wayne est tout à fait capable de nous sortir d'ici, avec les fichiers. Vouloir voler trop près du soleil, on finit par se brûler les ailes. Eh bien, c'est là que je vais donc m'arrêter pour cet épisode, puisque là nous avons attaqué la suite, donc c'est Numa Numa Trial, mais cet épisode là, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, oui, donc c'est bien ça. Numa, Numa Trial. Et donc, ça sera pour l'épisode suivant. Parce que là, ça y est, c'est reparti. Je reprends mes épisodes. Il y a eu un bon moment. Trop de moments d'attente entre les épisodes. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un pouce bleu. Vous avez découvert ma chaîne et vous voulez continuer à suivre mes aventures sur Call of Duty, abonnez-vous. Et pour être sûr de ne rien louper, vous pouvez appuyer sur la petite cloche de notification. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire dans la zone faite pour ça. Je vous répondrai. Que dire de plus? Bah, que vous pouvez aussi partager ma vidéo et faites connaître ma chaîne. Je ne vous en voudrais pas pour ça. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très vite. À bientôt pour la suite de mes aventures ou pour une autre vidéo. Salut, salut tout le monde. Et encore merci d'être venu. Salut. Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir. Il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y. N'aie pas peur. Clique.